de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Voilà, on va se retrouver aujourd'hui donc pour cette vidéo que beaucoup de monde m'a demandé concernant les témoins de Jéhovah. Alors c'est un mouvement religieux qui est très en vogue aujourd'hui, qu'on peut retrouver un petit peu partout. Voilà, ils n'hésitent pas à venir démarcher directement au domicile des gens et proposer voilà, des enseignements bibliques pour les rallier tout simplement à leur assemblée qui est dans un secteur, par exemple, où vous habitez. Donc, alors, on va parler aujourd'hui des témoins de Jéhovah dans leur globalité. On va voir justement quelles sont leurs doctrines. On va voir le danger de ces doctrines, à la lumière, bien sûr, des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Nous allons voir aussi que, malheureusement, cette secte, parce qu'il faut appeler ça vraiment une secte pernicieuse et démoniaque, a vraiment mis en place un système. Et vous allez voir que même le fondateur a vraiment goupillé ça de façon vraiment assez incroyable, avec vraiment une subtilité, c'est toujours dans la subtilité des choses. Et aujourd'hui, quand je vais vous parler de ces choses-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous ne condamnons pas ceux qui sont dans ce mouvement actuellement. Nous condamnons leur Bible, qui est une Bible spécifique aux témoins de Jéhovah, qui d'ailleurs est une Bible qui est complètement corrompue avec des passages qui ont été ajoutés, retirés par rapport à la Bible originale. Et il faut bien comprendre qu'ils se servent de cette Bible aussi pour appâter les gens. J'ai moi-même été, lors de mes débuts dans la foi, attrayé en écoutant leurs discours. J'ai même failli y rentrer. J'ai eu des contacts aussi avec des personnes qui ont été dans ce genre d'assemblée. Et il faut savoir que c'est toujours dans la subtilité. C'est pour ça que c'est vraiment très pernicieux et très démoniaque, comme toutes les fausses religions qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on appâte les gens avec des choses qui sont bibliques. Hein, on peut avancer des choses bibliques, notamment l'amour de Jésus, voilà, l'amour de Dieu pour la création. Et ensuite, on emmène les gens dans de fausses doctrines, mais des doctrines qui sont vraiment dans ce mouvement des témoins de Jéhovah, complètement graves, vraiment des doctrines graves, contre-bibliques, anti-Christ. Et on va justement les regarder au travers de quelques exemples. Alors bien sûr, les témoins de Jéhovah ne sont pas épargnés par les différents scandales que l'on peut trouver également dans le milieu catholique, hein, notamment des abus sexuels. Hein, il y a vraiment eu pas mal de choses comme ça. On a des gens qui ont été ruinés également, parce qu'il faut savoir que ce sont des assemblées qui demandent beaucoup d'argent à leurs fidèles. Donc toutes ces choses-là montrent aussi les fruits de ce mouvement qui est un mouvement, je répète, complètement démoniaque. Hein, là, il faut vraiment... de toute façon, vous allez le voir à travers les doctrines. Et là, regardez, petite cerise sur le gâteau, j'ai découvert, et vous allez pouvoir le découvrir aussi par vous-même. Donc, c'est tout simplement une photo qui a été prise donc, par Google Art. Et c'est une photo, en fait, tout simplement, d'une salle d'assemblée, donc des témoins de Jéhovah au Danemark, hein, donc qui représente, vue du ciel, une pyramide maçonnique. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, il y a toujours la franc-maçonnerie qui est derrière ces choses-là, il y a toujours un côté satanique parce qu'il y a une corruption de la parole de Dieu qui est mise en place, et il faut savoir que même son fondateur, donc qui était donc Charles Russell, était un franc-maçon de haut rang, donc... Et soi-disant, voilà, il a été prophète de Dieu, il a une vision de Dieu, mais on sait très bien que le diable aussi se déguise en ange de lumière pour annoncer des mensonges, des corruptions, des falsifications de l'original. Et automatiquement, on sait aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, qu'il y a de plus en plus de faux prophètes. Le Seigneur Jésus l'a annoncé, hein, des gens qui se nomment prophètes et qui annoncent le contraire de ce que Dieu a demandé et de ce que Jésus a annoncé lors de sa venue sur terre, sont des faux prophètes, ce sont des loups qui viennent égarer les brebis. Hein. Donc bien sûr, nous devons, c'est pour ça que je dis toujours, il faut connaître la parole de Dieu, la lire, pratiquer la Bible
pour savoir discerner ces choses. Et donc aujourd'hui, on va regarder justement à travers cette vidéo, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces témoins de Jéhovah. Alors aussi, bien sûr, avant de commencer, il faut savoir qu'ils distribuent également des genres de petits prospectus hein, pour vraiment que ça se propage. Et ça se répand, voilà, c'est tous des petits catalogues qui ont l'air aussi très intéressants quand on les lit. Mais je vous dis, le côté très rusé, très subtil, très démoniaque de ce mouvement est vraiment dans la corruption des doctrines. Alors vous allez voir, franchement, il y a des choses incroyables, comme par exemple le nombre de sauvés. Ils ont pris les 144 000 juifs de la fin des temps qui doivent être rachetés pendant la Grande Tribulation pour dire que c'était le nombre de témoins de Jéhovah qui allaient être sauvés. Enfin franchement, on est vraiment dans des hérésies vraiment hallucinantes. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite, sans plus tarder, donc, avec les premières choses. Alors, je vous ai mis différentes catégories sur lesquelles on peut justement épiloguer sur leurs fausses doctrines. Et bien sûr, je vous laisserai prendre le temps de les lire tranquillement. Je vais vraiment rester sur les gros points pour que vous puissiez déjà avoir une petite idée. Alors, moi, j'invite aussi, avant de commencer, tous ceux qui sont témoins de Jéhovah qui regardent cette vidéo, à vous procurer une Bible, notamment, par exemple, une Bible classique, Louis II, hein, ou celle que je viens d'acheter, la nouvelle Bible II, ou éventuellement la Bible du Semeur, et voir justement la comparaison entre ce qui est marqué dans celle des témoins de Jéhovah et celle qui est marquée dans les trois Bibles que je viens de vous citer. Vous allez pouvoir voir justement que c'est là qu'ils ont ajouté et enlevé des choses, et Jésus le dit de façon très claire dans l'Apocalypse, celui qui ajoute ou qui enlève, eh ben, s'expose à la damnation éternelle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très grave, et quand on fait la comparaison des deux Bibles, on voit bien que leur Bible est complètement corrompue dans tous les sens du terme. Donc déjà le premier point sur la société Tour de Garde en elle-même. Donc alors ils ont en fait tout simplement dans cette société des témoins de Jéhovah, la Tour de Garde, ils ont tout simplement remplacé l'Esprit de Dieu par la Tour de Garde. C'est-à-dire que les gens vont être obligés de passer par eux, c'est eux qui détiennent la vérité, il faut passer par eux pour apprendre, et Dieu est incapable, par son esprit, de nous diriger. Bien sûr, ils disent que les croyants ne sont pas appelés à raisonner par eux-mêmes, mais à écouter ce que la Tour de Garde dit. Voilà, vous voyez déjà la gravité, c'est que vraiment on évince Dieu pour concentrer les gens sur une personne ou sur un mouvement. Donc là, c'est vraiment très très grave, et ils le disent aussi que les écritures ne sont pas suffisantes, il faut ajouter, voilà pourquoi ils mettent aussi leur petit livre à côté, et que voilà, c'est quand même vraiment gravissime déjà, rien que sur ce premier point. Ensuite, on peut passer sur le deuxième point qui concerne donc le nom de Dieu. Alors, bien sûr, on prêche à tout va dans leur enseignement qu'il faut appeler Dieu Jéhovah. Il y a vraiment un accent qui est porté sur le nom de Jéhovah. Il faut appeler Dieu Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. On est tout le temps en train d'annoncer ça. Alors que quand on lit notre Bible, on se rend compte dans différents passages que le Seigneur a dit de lui-même, de sa bouche, quand le peuple hébreu a demandé comment dois-je donner ton nom au peuple hébreu ? Dieu a répondu, tu m'appelleras je suis. Hein? Donc il y a vraiment différents noms comme YHWH, Yahweh, et bon, Jéhovah, c'est quelque chose aussi qui est pas forcément, qui n'est pas biblique hein, plutôt, et qui n'est pas de Dieu. Hein? Donc ça aussi c'est déjà un deuxième point sur lequel on ne sait pas trop d'où est sorti ce nom, mais en tout cas ce n'est pas dans les versions bibliques classiques. Alors ils disent même bien sûr que ce nom de Jéhovah, il doit être utilisé et il est essentiel au salut. Donc vous voyez là des ajouts, hein, des ajouts. Dieu n'a jamais parlé de ces choses-là, c'est du grand n'importe quoi. Hein. On sait que là on est sauvé par le moyen de la foi, c'est une grâce de Dieu. Le Seigneur demande la repentance mais n'a jamais demandé à ce qu'on l'appelle Jéhovah sous peine de perdre le salut. Donc là c'est quelque chose qui est aussi vraiment extrêmement grave. Voilà. Donc ensuite, les croyants sont appelés à être des témoins de Jéhovah. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas du tout biblique. Et Jésus n'est pas Jéhovah comme le Père l'est. Donc là, on voit aussi première grosse fausse doctrine, une distinction entre Jésus et le Père. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup de passages où Jésus a dit « Le Père et moi sommes un, celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc ça, c'est un deuxième passage. Donc on voit que le Père, le Saint-Esprit et Jésus ne sont qu'un et même Dieu, mais qu'ils ont une forme différente. C'est une forme que Dieu prend.
dans Nicklas et Témoin de Jéhovah, il y a une distinction qui est faite. Donc là, on enlève la divinité de Jésus pour tout simplement, on voit aussi que par là, c'est un côté démoniaque parce que la divinité de Jésus est quelque chose de très important pour les enfants de Dieu. Alors justement, par rapport à cette divinité de Jésus et cette différence qu'il y a entre Jésus et le Père, comme il l'enseigne, hein, que Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui a été créé, ben voilà, il y a des milliards d'années, alors que la Bible nous dit bien que c'est Jésus qui a tout créé, tout est passé par lui. Donc voilà, il a été créé comme l'a été l'archange Michael. Donc en fait, la divinité de Jésus est complètement abaissée et c'est là qu'on voit la signature du diable. Parce qu'en fait, vous allez voir l'infériorité de Jésus qui n'est pas vraiment Dieu. Alors, ils disent que Jésus ne peut pas être adoré comme l'est le Père. Et on ne peut que lui rendre hommage. Hein, donc, il y a juste un hommage à faire. Donc, vous voyez, c'est déjà démoniaque parce que Jésus a dit « Personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. » Donc, Jésus est vraiment le plan parfait de Dieu. Non, et non pas, on va dire, un être différent, mais il est Dieu. Et c'était le plan que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Donc lorsque l'on met ce plan de côté, pour se focaliser sur le Père, on prend le risque de ne pas être pardonné de nos péchés, parce qu'on n'a pas mis notre foi envers Jésus, c'est-à-dire envers le plan de Dieu. Si vous préférez, Jésus est le bras droit de Dieu. Il n'est pas un autre Dieu, il est Dieu, et il est le plan parfait de Dieu dans lequel le Seigneur s'est incarné dans le corps d'un homme. Donc c'est le plan parfait de Dieu. Et là, on voit la signature du diable, parce que il y a cette divinité de Jésus qui est enlevée, pour être diminué un petit peu, comme on peut le retrouver dans d'autres religions, par exemple comme l'islam, où Jésus est relayé au rang de prophète, donc il est vraiment mis de côté. Mais aujourd'hui, le pardon de nos péchés est uniquement possible par notre foi en Jésus. Donc si on met Jésus de côté, on prend le risque de passer à côté de la vie éternelle et du salut. Donc c'est vraiment gravissime, là c'est vraiment une doctrine purement démoniaque, et on le voit, je vous laisse regarder un petit peu, vous allez pouvoir faire le comparatif, c'est quand même assez grave. Après, bon ben voilà, il y a aussi pas mal de choses par rapport à sa crucifixion, qu'on soit disant qu'il a été mis sur un piquet ou d'une croix, ben voilà, tout des bêtises alors que même les historiens témoignent de ces choses-là. Et la seconde venue spirituelle de Jésus a eu lieu en 1914, donc en fait Jésus est déjà revenu, alors que la parole de Dieu nous dit bien que tout œil le verra, ça se fera avec beaucoup de puissance, les cieux vont s'ouvrir, ça va vraiment être très impressionnant et spectaculaire, les gens vont être ébahis de voir, alors que là ils enseignent qu'il est déjà revenu, donc on est vraiment dans des doctrines 100% démoniaques et complètement mensongères. Donc ça c'est les points qui sont importants. Après on a bien sûr les points sur le Saint-Esprit. Donc là on est vraiment à la limite du blasphème du Saint-Esprit avec vraiment des mensonges et des hérésies complètement contre-bibliques. Alors sur le Saint-Esprit, il y a aussi beaucoup à dire, hein. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, alors ils enseignent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, qu'il n'est pas Dieu, ils enseignent que c'est une force, hein, alors que la parole de Dieu nous dit de façon très claire que c'est une personne à part entière, vu que le Saint-Esprit est Dieu. Donc vous voyez, il y a vraiment une séparation en fait, hein. Pour eux, il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit, tout est détourné en fait du sens original. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, par conséquent la doctrine ne peut pas être vraie. Alors le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, le concept est clairement enseigné dans Matthieu 28, 19, hein, vous pourrez regarder. Et de toute façon, il suffit simplement de lire la parole de Dieu pour se rendre compte que vraiment tout ce qu'ils enseignent, ce sont des choses vraiment qui ne sont pas de Dieu et qui sont vraiment à l'inverse de ce que la Bible originale dit. Ils enseignent donc aussi qu'il ne peut pas y avoir trois dieux en un. Pour eux, c'est complètement impossible. Donc, je vous laisse relire Matthieu 28, 19, et vous allez bien comprendre que le Seigneur Jésus l'a dit de façon très claire. Hein, lorsque l'on dit que le Père et moi sommes un, comment douter que Jésus était Dieu ? Comment douter que Jésus était Dieu ? Donc, ensuite, c'est ce que je vous disais, donc les catégories de sauvés. Donc, voilà, seuls 144 000 témoins de Jéhovah iront au ciel. Hein, donc là, on est vraiment sur une doctrine complètement démoniaque également. Ils sont constitués la classe consacrée. Attends, tous les autres chrétiens à travers le monde, hop, on n'en parle plus. Voilà. Donc après les 144 000, les autres témoins de Jéhovah sont les autres brebis de Dieu et ils vivront à jamais dans le paradis terrestre. Hein. Seuls les membres de la classe consacrée sont nés de nouveau. Donc vous voyez encore des doctrines complètement tournées de leur sens original.
Donc là, la parole de Dieu nous enseigne que déjà, quiconque croit et place sa foi en Jésus-Christ est né de Dieu, hein, qu'il y a un destin céleste qui attend les enfants, les véritables enfants de Dieu et non pas un destin terrestre, et que Jésus n'a jamais limité le ciel ni la maison du Père, hein, donc à 144 000 personnes. Hein. Il faut bien comprendre que voilà, nous sommes l'Église, il y a des millions de chrétiens aujourd'hui à travers le monde et non pas 144 000 comme cette fausse Bible et cette fausse religion l'enseigne de façon très claire. Ensuite, on peut parler donc d'un autre point, il s'agit du salut. Alors là aussi, il y a vraiment des points extrêmement difficiles à entendre, hein, des points vraiment démoniaques. Donc par exemple, le point qui dit qu'il n'y a aucune assurance au salut. Hein, donc là, c'est vraiment grave. Dieu nous l'a promis, c'est une promesse du Seigneur. Donc là, on vient renverser la promesse de Dieu. Ensuite, ils disent qu'il faut vraiment toujours voilà, parler et invoquer le nom de Jéhovah, que la foi est nécessaire, mais on doit y ajouter les œuvres. Et ils disent également que le salut dépend des œuvres. Donc eux, ils annoncent aussi un salut par les œuvres. Donc si tu n'as pas d'œuvre dans ta vie, tu ne peux pas être sauvé. Hein, donc c'est un salut qui s'obtient par notre propre récompense, par nos œuvres. Alors que bien sûr, la parole de Dieu nous enseigne que c'est un don gratuit de Dieu et c'est par notre foi placée en Jésus-Christ que nous l'obtenons, tout simplement parce que c'est le plan que Dieu a décidé pour l'humanité. Alors ensuite, d'autres points aussi très très importants. Alors eux ne croient pas qu'il y ait l'enfer. L'enfer pour eux n'existe pas. Hein, c'est pas un lieu éternel de souffrance, mais c'est une fosse commune de l'humanité. Les non-croyants sont anéantis par la mort, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils meurent, il n'y a plus rien. Ils ne voient plus rien. Ils sont comme si ils dormaient en fait. Hein, donc il n'y a pas d'enfer. Ils disent également que l'homme ne possède pas d'âme distincte au corps physique et que l'homme n'a pas une nature immatérielle qui survit à la mort, il n'est de toute évidence conscient de rien après la mort. Donc pour eux, il n'y a plus rien après la mort, alors que Luc montre bien Lazare et l'homme riche de façon très claire qu'il y a une conscience et qu'il y a donc un enfer qui est bien réel. Donc là, c'est pareil, on supprime la doctrine de l'enfer, on dit qu'il n'y en a pas, on dit qu'il n'y a pas d'âme non plus, donc les gens, bah, en fait, voilà, les gens ne savent pas forcément ce qui se passe. Donc là, c'est pareil, c'est des doctrines vraiment démoniaque qui change et qui inverse complètement ce que Dieu a annoncé, notamment la doctrine de Lazare et de l'homme riche, avec voilà cet homme qui se retrouve en enfer. On le voit vraiment de façon extrêmement claire. Donc il y a pas mal aussi de rapports qui ont été faits, hein, on a déjà entendu tous parler avec les transfusions du sang, voilà, ils disent que Christ n'a pas été cloué sur une croix mais sur un poteau, et que la transfusion du sang équivaut à manger du sang, voilà, donc aussi une grosse doctrine des témoins de Jéhovah qui a fait couler beaucoup d'encre, voilà, donc... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La tour de garde, voilà, c'est déclaré comme un nouvel évangile. Hein, la Bible nous dit bien dans Galates chapitre 1, verset 8, que tout évangile qui est ajouté vient de l'enfer. Hein, donc même si un ange descendait qu'un nouvel évangile, ça vient de l'enfer, c'est démoniaque, ce n'est pas de Dieu. Paul l'a dit de façon très claire dans le livre des Galates. Donc eux se sont avancés donc, comme étant des prophètes de Dieu. Et que, ben voilà, on sait très bien que c'est, ils font partie d'une continuité de faux prophètes et de fausses prophéties. Et que, automatiquement, toutes ces choses-là, toutes les visions, tous les prophètes qui naissent aujourd'hui ne sont pas de Dieu, parce que Dieu a tout accompli à la croix. Jésus l'a dit lui-même, tout est accompli, il n'y a plus rien à rajouter. Aujourd'hui, nous avons la ligne de conduite à suivre pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu nous a tout donné pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour baptiser, pour aider nos frères. Tout est dit, tout est fait, il n'y a plus qu'à pratiquer. Donc il n'y a pas besoin de nouvelles personnes qui arrivent, étant donné que Jésus est Dieu lui-même, donc à travers Jésus, est venu sur terre pour nous montrer le chemin en personne. Alors il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de fausses prophéties qui ont été annoncées justement par les témoins de Jéhovah. Hein. Ils avaient prévu donc en 1874 la deuxième venue de Jésus. Ensuite ils ont dit qu'en 2014 marquerait le renversement des gouvernements humains et l'établissement du royaume de Dieu sur terre, chose qui n'a pas été fait. Il y a eu aussi en 1925, 1975, donc voilà, ils se sont trompés je ne sais pas combien de fois. Donc ça montre aussi le côté démoniaque de ce mouvement. Voilà, ils ont dit aussi qu'en 1914, comme je l'ai dit au début de vidéo, que Jésus était déjà revenu de façon invisible. Ben voilà, vous voyez, toutes sortes de bêtises vraiment assez incroyables. Et moi, ce que je peux vous inviter à faire, si vous êtes vraiment témoin de Jéhovah aujourd'hui,
c'est de sortir de ce mouvement, de revenir tout simplement au mouvement de la lecture de la parole de Dieu avec les trois Bibles que je vous avais citées en début de vidéo. Et vous allez voir qu'ils enseignent vraiment beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'adhérer à une quelconque religion pour être sauvé. Le Seigneur cherche à avoir une relation avec vous et non pas une religion. Et aujourd'hui, la plupart des religions qui sont dans le monde sont corrompues par soit des fausses doctrines, soit des choses qui ont été ajoutées ou enlevées, ou par des faux enseignements, des choses qui sont la banalisation du péché, l'enseignement par exemple de l'évangile de prospérité. On a vraiment beaucoup d'enseignements aujourd'hui et beaucoup de fausses religions. Donc revenez à la version basique de votre Bible, lisez-la, méditez-la, et bien sûr vous allez voir et pouvoir avoir la connaissance et le Seigneur vous ouvrira les yeux sur justement tous ces mouvements qui ont l'apparence d'être bien, mais qui sont vraiment démoniaques dans leur enseignement et dans leur doctrine. Alors voilà, j'espère vous avoir ouvert un petit peu les yeux sur ce mouvement des témoins de Jéhovah. Comme je vous le disais, comme la parole de Dieu l'enseigne, nous ne condamnons pas les témoins de Jéhovah en eux-mêmes, bien sûr, parce que ce sont simplement des hommes qui sont égarés. Nous condamnons, bibliquement parlant, ce mouvement qui, je le rappelle, est né donc dans les loges francs-maçons par un franc-maçon de haut rang, Charles Russell, dont justement la tombe est une forme pyramidale. On voit les assemblées du dessus quand on peut regarder, donc, comme j'avais dit, avec un drone, et vous pouvez le chercher vous-même sur Google Art, l'assemblée des témoins de Jéhovah au Danemark, et vous verrez très bien que cette photo n'est pas un montage et que il y a des symboles occultes à travers justement tous ces mouvements religieux qui ont été créés récemment, comme Jésus l'avait enseigné, comme étant des faux prophètes, des fausses religions qui sortent de nulle part, ou plutôt qui sortent tout droit de l'enfer. Donc aujourd'hui, il faut rester attentif, il faut faire attention. Il y a beaucoup de loups, beaucoup de faux enseignants sur YouTube, sur Internet, beaucoup de fausses religions. Moi, j'ai toujours tendance à répéter que les enseignements, on va dire, les plus proches à la parole de Dieu, c'est les mouvements évangéliques. Mais c'est pareil, il y a aussi pas mal de corruption dans ces mouvements-là. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous lisiez vous-même votre Bible, que vous soyez affermi et guidé par le Saint-Esprit. Si vous avez des gens qui sont enfermés autour de vous et de confiance qui peuvent vous enseigner, ou comme je le fais actuellement par le moyen de ces vidéos, ça vous permettra de grandir, d'ouvrir les yeux et d'avoir la connaissance nécessaire pour ne pas vous aussi vous laisser emporter dans les filets justement des fausses doctrines. Paul l'a dit lui-même, c'est par la connaissance qu'on évite à tout vent de fausses doctrines d'être emporté dans des choses, dans des mensonges, dans des hérésies, dans des fausses religions, dans des faux mouvements, où on peut annoncer tout et n'importe quoi, surtout dans l'époque actuelle dans laquelle nous vivons. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Si vous avez des témoins de Jéhovah autour de vous, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo, à les redresser avec amour, à leur expliquer, à leur montrer justement les passages que j'ai pu citer dans cette vidéo, et à leur montrer que ce mouvement n'est vraiment pas un mouvement de Dieu, et que tout ce qui sort des loges franc-maçonnes, ou tout ce qui sort de l'occultisme, ce sont des choses qui viennent directement de l'enfer. Donc le diable est derrière ces choses-là. Et surtout quand on enseigne le contraire de ce que Jésus a enseigné. Voilà, très bonne journée à vous, soyez bénis, et moi je vous dis à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile.
Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.